Pourquoi la rébellion du M23 réalise le transit de minerais pendant ces temps de la guerre d'agression rwandaise dans la province du Nord Kivu? Voilà le premier point dans cette émission, dans cette nouvelle émission sur Congo Live Télévision, à Combieu. Les assassins du journaliste qui a été abattu ce 27 septembre 2000. 24 dans la ville touristique de Goma, les assassins ont réussi combien pour tuer ces journalistes? Le deuxième point et le troisième point, j'aurai le réel plaisir de vous amener dans le centre de formation militaire pour comprendre ce qui se passe, comment on traite les nouveaux recrues au sein de EFARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Je suis Youssoufou Kibingila. Pour cette présentation sur votre chaîne Manaka Nabiso Yasika, Mukolo Mwasika, Pona Basango Nabiso Yasika. Boye Ela Mukolanda, Congo Live Télévision, votre chaîne préférée, Tokolo Bela Mukolo Mwalelo, Moibi Toki Moibi, Ya Baminere Nabiso en République démocratique du Congo, pendant que Tozo Sibir, guerre d'agression rwandaise. Ezali na part ya Nations Unies na représentante na bango, Madame Bintou Keita Oyo, batikaki koyebisa biso lolenge nini bato oyo bayali kosalela biso bitumba mokolo mwalelo bazali kosala pour ke ba iba pour ke ba iba pona ba iba bitu ma ba mineri na kati ya mboka biso, donc tozali kosibire ba bitumba. Que représentent les minéraux de la République démocratique du Congo na classe ya monde lelo? Boni minéraux wana eyali kotambola, boni ezali koyibama. Boni groupe ya ba rebelle du M23 bazongi ba minéraux selo ba expert na ba rapport ya Nations Unies. Oyo tokolobela ekozala sango na biso ya sika na manaka na biso ya sika mokolo mwalelo eyali ya sika. Elobami eyokami ke bisika ya province ya Nord Kivu, bitumba ezali koyoka, bitumba ezali kosalema, bitumba ezali koorkestre kokufa ya bana mboka ebele, bitumba ezali kaka koorkestre kokufa ya bana mboka biso, me ezali kosala pe be bazali koyiba ba richesse oyo ezali ya bakongole. Lolenge nini ezosalema? Certains batu bayoko lo balelo eke bitumba ya rebellion ya M23 ezali na ngambo moko na bana Congo, c'est-à-dire les enfants du Congo oyo bazali kotia ba figure na bango ezala elembo ya koloba eke bitumba oyo ezosalema na kati ya mboka na biso ezali légitime. Pourtant non, ezali légitimité, ezali agression rwandaise prouvée partout na façade internationale, na ba salo diplomatique ke bitumba tozali kosala ezali bana mboka te. Là, lorsque je parle de bana mboka, on parle de Magloire Paluku. Lorsque je parle de bana mboka, on parle de Corneille Nanga. Lorsque je parle de bana mboka, on parle de tous ces gens qui se retrouvent aujourd'hui, qui se retrouveraient aujourd'hui dans la rébellion du M23. D'une part, batu balingi koloba ke lolenge bana mboka bazali na kati ya rébellion oyo ezali koloba eke eza bana mboka indigné oyo bakei kosimba manduki te. Selon plusieurs experts na matière sécuritaire, basource pe biso ebele eyebisi biso eke le fait ke bana wana bazali na kati ya affaire wana, cela ne signifie pas que la rébellion du M23 est légitime aujourd'hui. Wanezali, ba experts, ce sont les experts en matière sécuritaire qui confirment cela au premier niveau. Deuxième niveau, ba analyste sikoyo, ba ye, toujours en matière sécuritaire, ba lobike, deux fois, ba tout oyo bazel na rébellion M23, ba komi benga, ba révolutionnaire. Est-ce que c'est vrai, ils sont des révolutionnaires? Tokeiko kutana na société civile, la société civile qui va dire non non, baza ba révolutionnaire te, parce que baza soutenir na agresseur na biso et perdre façade oyo ya rébellion na bango. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus revenir en arrière pour penser deux fois. C'est le bango qu'on confirme que ezali bitumba ya kati ya mboka. Non, ezali bitumba ebimi libanda ya mboka. Ou les agresseurs,
pour que ba pesa yango talo, pour que ba pesa yango elembo, pour que eye ba maki yango pe zali kosala kati ya mboka, pour que ba opere très bien et sengeli ba sali la bana mboka. Si c'était aussi une rébellion, ça ce sont certains experts qui le disent ainsi, si c'était aussi une rébellion qui misait sur l'intérêt des Congolais, et sengeli ki te ba sala eloko bazo sala. C'est maintenant de la part des Nations Unies. Otokoya koyoka, likambo ezoleka de l'autre côté. Ba siéger Bunagana aujourd'hui. Ba siéger Kanyabayonga aujourd'hui. Somikivu, n'en parlons pas. Somikivu, n'en parlons pas. Somikivu, voulais-je dire, n'en parlons pas. Rubaya, là on ne parle plus. Et qu'est-ce que les Nations Unies ont déclaré sur ça? Qu'est-ce que Mme Bintou Keïta a fait savoir sur le vol systématique de minerais par la rébellion du M23. La rébellion du M23 soutenue par les Rwanda selon plusieurs experts des Nations Unies. La rébellion du M23 soutenue par l'Ouganda selon ces mêmes experts des Nations Unies dans leur rapport. Ils ont approuvé et encore aujourd'hui, ils déclarent autre chose sur le vol systématique de minerais en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, précisément à Rubaya. Contrôle désormais. Les rebelles du M23 contrôlent désormais la production des coltans dans les territoires de Masisi et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé Madame Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le M23 qui a repris les armes il y a quelques années, Toyoka Kibango en 2013, Bakenda ki, Mamadou Abeta ki bango, histoire na bango et sila ki. Il y a quelques années, juste après Kokota ya Tshisekedi na pouvoir, bango bakosa la résurgence na bango. Bazo sala lelo contrôle mobimba ya Rubaya. Oyo bakwe bisabiso ezali na ba minerai ya ndenge na ndenge. Bango nde bazo contrôler niveau wana. Une zone riche en tantale. Un métal essentiel pour la fabrication des smartphones et d'autres appareils électroniques. Selon la représentante du secrétaire de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, le commerce du coltan dans la région rapporte environ 300 000 dollars par mois à ces groupes armés, c'est-à-dire à ces groupes armés, on fait allusion directement aux rebelles du M23. 300 000 dollars. Oyo, bazouaka, chaque mois. Bazouaki, ango sanza oyo, bakouzou ango sanza moussous, bakouzou ango sanza moussous, bakouzou ango sanza pe ekole kaka. Oyo, des fois, bango na ngambo na bango, bayali ko déclaré. Bazali ko yeba, ke bazali ko sala bitumba, oyo, ezali, pona ko bongola. Mboka oyo. Me bangonde bayali koiba, mboka oyo. Honor qui voulait M23 a établi un contrôle total sur la production de coltan dans les territoires de Masisi et Rutshuru et le commerce dans la région de Rubaya qui devrait fournir plus de 15% de la production mondiale de tantale. Génère environ 300 000 dollars par mois pour le groupe armé. Madame Bintou Okeita qui en a confirmé lors du Conseil de l'Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité. Voilà, c'est le premier point. Koebi Sabino, l'olengenini batouana, bazaliko iba, mokanabiso. Le gouvernement congolais, est-ce que yebite? Yebi. Ba acteur politique ya mokanabiso, est-ce que ba yebite? Ba yebi. Donc, lelo esengali komona, mbongo oyo, bazali kozua. Tozwa même en termes, parce que déjà si on fait équivalence, tozwa même 300 000 wana, eza yango teka bazo zwa, me wane za moyenne, oyo tozwi, tozwa ngwa ta lolenge, Bintou Keïta alubaki yango. 300 000 dollars,
Surtout Dolobaki, Tobanda Kozoyango par mois, et Banda Kosunga, même dans la province du Nord Kivu, et Banda Kotonga ba école na ba village, ce qui le lot aux amusika, mais le lot aux amusika, mais en bon ou en boka, ou en batouana bako, y balélo, ou en bazo salé là, na libanda ya mboka. Ezali pour l'intérêt ba congolete, ezali pour l'intérêt ya likambo oyo, bango bako sala, na katia mboka na biso. Na katia province à Nord Kivu, rebellion à M23, oye sala ki ke ba milieu de déplacés, ba déplacés bilanga na bango, ba déplacés ba village na bango, ba déplacés ba localité, ba secteur, pe ba groupement, bisika bazala ki, lelo bazali ko souffrir, pene pene, yambo kagoma, oye sengela ki, esunga bango, d'une manière ou d'une autre, toutefois ba kouvake na ba occupation champêtre na bango, ba linga ki te bazala, na ba situation oyo bazo zala. Batu bazolo balelo ke eyali na ba oyo bakima bitumba ba décidé kozonga na ba village na bango. Mais même ba oyo selo ba source na biso, même ba oyo bazozonga na kati ba village na bango, bazali pe ko souffrir. Pe ba regretter pona nil bakima ki. Parce que batu oyo bazali kuna balobi boye, soki ozongi okima ki bitumba, certes ba kozongi sayo na kati ya village na yo. Ba kotika oko tati na ndako na yo. Me bako soumettre yo na ba oeko bengama na ba travaux forcés. Eza na ba oyo bazunga ki kitianga. Nous les avons appelés. To benga ki bango pour ke ba ebi sabiso. Lo lenge nini bazani na makambokuna. Bango wana bako ebi sabiso ke ozo zonga. Ba tiki yo pemi 2 jours. 3e jour. Ba soumettre yo na ba travaux forcés. Ba benda yo matoi ko ebi sa yo za matoi mangonge. Okima ki awa pona nini. Donc balingi. Komoni sa opinion nationale ki internationale ke bango bazali ko traiter très bien batu oyo bazali ko zonga na bamboka batu oyo bisika bazali me bango pe bazolela bazo pekisa bango selon la société civile même dans les territoires de Rutshuru bazo pekisa bango ko kende ko sala bilanga na bango el bazali bilanga balingi balona bazwa masango ba madeso na biloko mosusu ba pekisi bango ko kende na bilanga na bango et ke wana ba rebelle ya M23 rebellion ya M23 AFC groupe na bango wana ba RDF nenge bazalaka bango nde ba koluna biloko ya ba paisible citoyen pour que ba encheminer ango na Rwanda ba société civile bazolela ba société civile bakalo bazali kobenga kabiso ba ebisa biso likambo oyo ezali koleka bisika batu wana bazali ko contrôler mukolo mwalelo ba minere ezo kende pe boyo ka reveni ya catégorie moko ya minere mbongo nini oyo ezali ko générer lelo na kati ya rebellion ya M23 wana ezali madame Bintou Keita mutu alobaki yango lobby na kati ya conseil de sécurité ya Nations Unies tika na zongi sabino na kati ya mboka Goma vous le savez très bien mboka Goma lelo insécurité ezali koloba mabacter ba société civile ba paisible citoyen bango nyoso bazali koloba ba massacre ezali pe kosalema na kati ya mboka bato ebele bazoloba d'une part que similitarisation na kati ya mboka Goma ba mosu balobi insécurité mais le gouvernement congolais le gouvernement provincial l'autorité urbaine le maire de ville Fausté Kapen n'arrête pas aussi de manifester sa volonté au ya kotraquer bato ndenge to monaka chaque samedi presque chaque samedi a sala kayango a bengaka presse a bengi batu nyoso société civile pour présenter batu oyo bazali ko représenter menace ou bien insécurité na kati ya ville ya Goma nous l'avions toujours observé nous l'avions toujours vu que le maire de ville a ko réalisé ango mais ici ce qui nous intéresse c'est de voir l'assassinat oyo ya mutu oyo oyo babumaki c'est un journaliste bazalaki Moko yabakonzi ya Radio Maria précisément à Goma na ba oyo ba ebi Goma très bien oyo babuma ki est ce 27 septembre 2024 c'était le samedi oyo mutuana a babuma ki est oyo ayoka maki ki abungisi vinaye et puis asengela ki ye ba ma babuma ki est pona nini asala ki nini batu nini babuma ki est c'est maintenant lobby nde bakoya ko présenter des présumés bandits auteurs ya kokufa ya mutuana ya zaki pe journaliste
qu'il se repose en paix avec les confrères Nabiso, OEP Babumaki, Nakati Amboka Goma, criminalité urbaine Nakati Amboka Goma. Alors, OEP, ils allaient qu'on intéresser Biso, ils allaient comment on a l'olengenini, légèreté, ils allaient peu battre Bazali manipuler. Jusqu'à présent, nous ne savons pas les causes qui ont fait que ces deux jeunes, Ndenge Bazali qu'on expliquait dans la vidéo, Oyo, Etinda Babouma Moutouana. Nanou Baloubi est le côté, donc Babosambi Sabango, Bakoyoka Bango, mais moi, Mouké, Oyo, Yoka Maki, et Koyoka Maki, Bafoutaki Bango. Selon ma déclaration à Bango, ça, selon Ngate, c'est pas moi qui l'ai dit ici, c'est selon leur déclaration que ces derniers, Bakozala, Bafoutaki Bango, et Kozala, Bafoutaki Bango, ils seraient payés 5 dollars. 5 dollars, ne kozala oyo bafuta ki bango pona opération wana. Tozo kreze, toti molato ye baso ki bako defere bango devant justice pour que kuna ba panza makambonyo sutoyoka. O juste c'était quoi pour que ba beta mtu wana masasi. Mais selon bango wana, oyo ba presenta ki bango wana na mairie ya Goma, ndenge boko tala na ba image, ba lobi bango moko, ke ezala ki 5 dollars oyo eselengala ki bafuta bango pona opération na bota la niveau ya criminalité bisika to komi les jeunes garçons, les jeunes de Goma, les jeunes de Kivu, les jeunes de la RDC. Mais pourquoi kosala kabilo kwa bongo? C'est aussi un conseil juste que ça. Pourquoi ba jeunes ba komi trempé na ba antivaleur? On les a ba antivaleur. Nous sommes appelés biso ba jeunes. Nous les jeunes nous sommes appelés à construire notre pays, à donner l'image ya oyezali ya bien pour la Congo, une image positive pour la RDC, mais pas pour tremper na kati ya ba rébellion, tremper na kati ya ba banditisme, tremper pour les escroqueries. Mais la question se demande où est-ce que ces gens oyo bakoza la ba oyo ba maki journaliste wana bakoza la ba tiraki minduki. Ce sont des questions qui essaient un peu de tourner tout autour, mais retenez que ces deux personnes présumées assassins ya ba Mutuana Oba orchestra qui assassina un journaliste wana oba twana ba futa maki 5 dollars, ils sont déjà aux arrêts et que la justice pourra faire son travail. Nous appelons à même occasion, nous appelons les autorités à congolaises, les autorités de la province du Nord Kivu, les autorités de l'état de siège à s'impliquer dire dans ces affaires, parce que les loba tubazali koyoka ke omoni mutualatika teni okimi. Il y a de bons militaires, je veux aussi clarifier quelque part. Il y a de bons militaires, il y a de vrais FARDC, il y a de vrais Wazalendo. Mais ne serait-ce que cela, il y a de brebis galaises qui essayent un peu de tenir l'image de FARDC. Mais il y a le vrai FARDC, Bazali, Oye Bazoukou fait la école. Il y a le vrai Wazalendo, Oye Bazali Koukou fait la école. Alors, revenons toujours sur les mêmes situations pour voir comment est-ce que ces situations-là. Donc nous allons toujours essayer yako calmer yango yako monisa boni eske bako diminuer to ya criminalité pour que to mona boni to kotonga mboka na biso ekolo na biso boni bamoko bako wapo na ekolo bamoko bako sambela pona ekolo bamoko bako salela pona ekolo me bamoko bako buma bamosusu te parce que kozala te pona ekolo na biso. Alors, je m'en vais aussi vous informer, vous apporter cette information sur les recrutements de FARDC. Ce qui me concerne et ce qui me retient ici, c'est de vous ramener dans le centre de formation. Juste pour entendre ensemble l'interview, il y a Batou Oyo Bazali pour encadrer le militaire. Comment ça se passe? Il y a des jeunes d'ici qui se disent aujourd'hui que non, je ne peux pas partir d'alarme. Nako qui n'est jamais dans la soda. Nako qui n'est jamais dans la soda. Nako souffrir. Qui vous a dit ça? Il y a des réformes au Bazo Sal. Certains font savoir que les militaires ne mangent pas. Certains font savoir ça. Que les militaires ne mangent pas. Est-ce que c'est vrai? Nous aurons des réponses dissipées. Les militaires ne sont pas bien traités. Qui vous a dit ça? Nous aurons des réponses dissipées. Raison pour laquelle je vous propose même à suivre cette interview et on se retrouve tout juste après pour comprendre les militaires, les nouveaux recrues, les nouvelles unités bien formées, comment est-ce qu'ils sont traités. L'armée a lancé un appel à recrutement depuis le 24 septembre dernier ici. Est-ce que les jeunes, vous êtes conscients aussi que vous devez servir votre pays?
Je vous ramène d'abord au niveau de Kisangani et puis on se retrouve tout juste après. Suivez cette interview, comment est-ce qu'on explique tout ce qui se passe au sein de différents centres où les jeunes sont en train de partir. Donc on est en train de les recruter de l'autre côté et comment ça se passe, comment est-ce qu'ils sont traités, les nouvelles unités bien formées, comment ça se passe. Suivez. Ça c'est des salopettes à marque chinoise, oui. Avec un petit... Ça vient d'arriver parce que quand on fait descendre en bas, c'est ça que c'est avec les... Actuellement, les recrues ils prennent 3 repas par jour. Un petit déjeuner, c'est-à-dire la bouillie avec du pain. Et à midi, ils mangent le 2e repas et le 3e repas vers 15h. Oui, oui, au niveau des salaires, l'argent arrive avant même le 25. Mais pour les recrues ne sont pas encore comptabilisés. Et ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils seront encore comptabilisés. Ici, jusqu'ici. Et deuxième groupe, le groupe mécanisme de mise en... Viens vite. Faire remonter l'arme. Pona ekolo kokufa pona ekolo ebele kati na biso babengami kosalema article 63 elobi kongole nyoso azali na droit ya kokende ko défendre mboka na ye soki kozala micro soki kozala arme soki kozala wapi mesengeli o défendre mboka na yo na ka ya menace ezali ou so ces jeunes qui vont servir la RDC ou so ces jeunes qui vont se donner dire pour que ba défendre mboka na biso. Armée zali ko recruter ba jeune bazali ebele o bazo kende yo zo zela nini yo zo zela ka ko ibate kende ba forme yo oya ko sala pona ekolo na biso botiki koyoka boni bazo traiter bango bazana ba logistique na bango ebele bazana ba logistique na bango ebele o bazo zo ba teni ba eloko nyonso bazali ko traiter bango les nouvelles unités tout le reste boni bazo ko sala na bango c'est-à-dire esengeli to bongisa mboka na biso. Biso na biso. To kanisa teke sadeke ko bima Afrique du Sud. Sadeke ko bima Malawi. Sadeke bako bima na Tanzanie. Sadeke bako bima wapi. Purke ba yako wapo na ekolo na biso. Esengeli biso moko nanu. To wapo na ekolo na biso. C'est pour nous d'abord. Nous sommes appelés à défendre d'abord notre propre pays. Yango ba jeune nyonso oyo baza. Na... niveau ya koyeba lelo ke bako sale la pe ekolo na biso sa eko salema botiki koyoka na mokuse boni likambo ezo salema. Je vous rappelle juste que l'armée zo recruté et que bobenga mikuna kokende ko sale la ekolo na biso boya to suki sa bitumba boya to sala mboka na biso to kende liboso boka ni sakaka te. Vous savez les gens ont eu une mauvaise image de l'armée, sachant que ce sont les indisciplinés qui partent dans l'armée, ce sont les délinquants. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'était les armées de 1980, 1960, 70. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des réformes. Au sein de notre armée, nous avons besoin des intellectuels. Des personnes
y a bon, y a moral à bien. Oye ba tu bazana ba mers na bango nyonso aptitude physique et simbi. Des personnes qui ont réussi même à décrocher ba diplôme na bango université, voilà ba qualité à ba tutoza na bango. Ozali ko chomé musala lete ezawana armée pe ezawana. Ozalaka ministre tete armée pe ezawana. Na ba regroupement politique bino pe botala lolenge nini bokotinda ba tu na bino na kati ya armée et ko sale mapé et ko zala très bien. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux, les dames et messieurs. C'est sur Congo Live Télévision et Nil ailleurs où vous allez retrouver les informations à caractère sécuritaire auto kitina mozindo boe. C'est seulement sur Congo Live Télévision. Bisika mosusute. Ainsi, nous vous appelons à partager la vidéo, à commenter ce que vous pensez na basizi nyonso oyo. Totiki kokabela bino mukolo mwalelo. Je rappelle que j'étais Youssouf Kibingila David. C'est un plaisir de vous savoir nombreux sur notre chaîne. Les dames et messieurs, on s'est fixé un nouveau rendez-vous sur Congo Live Télévision. Qu'est-ce que vous pensez sur la guerre? Oyo, il y a agression toujours pour subir na Katiambo Kanabiso. C'est quoi le message que vous possédez à tous les Congolais qui se retrouvent aujourd'hui dans la rébellion du M23? C'est quoi le message à tous ces jeunes Congolais aujourd'hui qui aimeraient se tromper dans les antivalères? Merci les dames et messieurs et bonne journée chez vous.